membres de plusieurs regroupements politiques et organisations jeunes ont planté piquette aujourd'hui dans le cadre d'un sitting devant le local Cour supérieure des comptes à contentieux administratif pour porter solidarité avec juge d'après déclaration organisateur. Ambiance là avec déclaration quelques organisateurs parmi eux, anciens parlementaires dans le pays d'Haïti. En tant que jeune Gaboumé, présent sur la Jodia, en tant qu'organisation qui peut, nous venons pour le support moral, le support physique, nous, bah écoute, tu gagner des comptes. Parce que là, c'est là, Gaboumé, 50 ans, 30 ans, système ça manger, dans vie nous, c'est là le caché. Je ne veux pas dire, jusqu'à en pile, nous disons nous-mêmes la jeunesse, des salines, pas de mourir, Pétion, Christophe, pas de mourir, pour. Groupe ça, groupe oligarchie ça, qui mange, qui mange vie nous, qui mange grand grand nous, qui mange grand grand papa nous, nous-mêmes la jeunesse, nous disons que manger assez, pas manger l'autre corps. C'est ça que je veux dire à nous camper. Nous disons, système ça, il faut éradiquer, le système ça, il faut finir avec. Là, c'est pour porter solidarité avec Mme Lafouro. Et deuxièmement, c'est pour nous dire non à l'ingérence. Parce que nous, c'est l'ambassade américaine qui a pas dictée, qui a pas autorité dans le pays à dictée. Même nous venons là pour nous dire non avec ingérence. Nous venons pour nous dire élection, c'est pour ce qu'on fait. C'est avec le parti politique que le fait. Si le parti politique dit qu'il n'y a pas de l'élection, le peuple dit qu'il n'y a pas de l'élection, nous pas ouais pour qu'il résolve le problème de l'Ukraine et de et nous dit peuple là pour lui veiller, veiller et surtout veiller pour de cassation. Parce que nous tendons qu'il y ait un pile de ce qu'on fait sur quelques membres pour de cassation pour KEP à capable prêter ses membres. Eh bien, nous avons demandé peuple là pour nous piquer nous devant coup de cassation pour Baba nous voir la main. Nous portons tout appui nous, d'une part, par coup des comptes. Pour que nous disions nous-mêmes dans nos structures, ça, nous là pour nous corriger et coup des comptes par rapport avec le renforcement institutionnel qui doit être fait pour nous empêcher une PHTK vienne envahir l'institution, même si elle crase différentes institutions déjà dans le pays, pour que l'institution arrête debout. Et nous venons tout pour que nous disions avec toute la nation, gagner des partis politiques dans le niveau. Et opposition qui déjà lui-même lancé des réquisitions auprès de la justice pour dire que et décision créée électorale KIP, ça que Jovenel Moïse fait avec groupe Zanmilio, le KIP tête calée, donc nous dit que KIP ça lui-même pour que coup des comptes pas fait un rien comme suivi administratif par rapport à elle. Donc le gouvernement fait un acte, il prend un acte administratif, nous-mêmes, nous, dans le niveau opposition, nous prenons un acte administratif pour que nous demandions pour que l'IPA fait suivi avec ça. Et c'est avec un pile consternation, nous attendons que Jovenel Moïse mette un KEP 9 membres entre parenthèses. Jovenel Moïse, vous voyez que Jovenel Moïse crase IKREF, crase SCC. Nous-mêmes, nous disons dans Rasso et toute organisation de MCV, nous, 30 septembre, nous invitons toute la presse en général dans une manifestation, mobilisation. Je dis à CVEA et nous disons la Cour des comptes. Tout nous dit nous porter solidarité nous avec elle et nous dit et côté que monsieur a préparé bien prêter serment nous dit nous même nous allons dormir l'autre bord à tout pour nous capable dire si monsieur coup de cassation connaît yo capable faire nous pas coup de dos et maintenant mettre dans même opération antiaire porter la donne. Voilà, c'était une déclaration avec ambiance qui était régnée devant local Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là et d'après organisateur c'était pour porter solidarité by juge Cour supérieure des comptes. Là, toujours dans le pays d'Haïti, ULCC, unité lutte contre corruption, te recevoir Jodia, plusieurs personnalités en bas gros mesures sécurité. Parmi les personnalités, ça, te gagne docteur Reginald Boulos, qui c'est un homme d'affaires et leader troisième voie. Et te gagne tout ancien sénateur Youri Latortue, qui c'est leader AAA et Haïti en action. Toujours dans le pays d'Haïti, dossier assassinat Maître Montferrier Dorval. Bâtonnier Aïa, Marie-Suzy Legault, pour tes précisions, sous qui Jean y a accompagné dossier ça dans différentes instances pour yo capable joindre finalement jugement moun qui te participé dans l'assassinat Maître Montferrier d'Orval. Maître Marie-Suzy Legault. Au niveau de la DCPJ, des interrogatoires ont eu lieu. Le conseil a assisté à certains interrogatoires et le dossier, à un certain après, a été transféré le 18, le jour de la messe de Requiem pour le bâtonnier Montferrier d'Orval.
Le dossier a été transféré au décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il revient au doyen de faire la distribution pour le confier à un juge instructeur. Ce qui a été fait, et c'est le juge Régis Renoir qui est en charge du dossier. Le 25 septembre, c'est cette date que le dossier a été confié au juge Renoir Régis pour les suites de droit. Nous devons rappeler à la presse que le rapport soumis par la DCPJ est un rapport partiel. Ce qui veut dire que la DCPJ va continuer et le dossier va en même temps au cabinet d'instruction être objet d'enquête du cabinet d'instruction. Donc, le rapport de la DCPJ, le rapport final de la DCPJ va être acheminé également au niveau du cabinet d'instruction qui fera ce que de droit. Nous devons dire que le Conseil de l'Ordre a suivi avec attention l'évolution de ce dossier. Nous étions en contact avec le parquet, nous étions en contact avec la DCPJ, nous étions en contact avec le décanat. Maintenant, nous allons prendre contact avec le cabinet d'instruction pour vérifier et surveiller les différentes étapes de la procédure devant aboutir au jugement. Nous ne disons même pas à l'arrestation, au jugement des criminels, parce qu'il y a le criminel qui a monté de toutes pièces cet assassinat. Il y a les gens, ce qu'on appelle les exécutants, mais il y a celui qui a conçu. C'est lui encore qui nous a assassinés. Il nous a assassinés d'abord et l'exécutant a réalisé son forfait. Mais parallèlement à cet état de fait du Conseil de l'Ordre, la mobilisation reste et demeure jusqu'à obtention du jugement. Nous ne savons pas de quel tribunal, parce que là nous sommes au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince, mais comme vous devez le savoir, il y a 18 juridictions de jugement. Donc on peut commencer au tribunal de Port-au-Prince et finir dans une autre juridiction. Parce que nous sommes prêts à brûler toutes les étapes, aller gravir tous les échelons, toutes les voies de procédure, nous allons les prendre pour obtenir justice. Nous n'allons pas nous laisser berner et avoir un petit exécutant et laisser l'auteur intellectuel de côté. Il nous faut les deux, sinon les plusieurs. Maître Suzy Legault a tout profité dans la rencontre avec la presse pour annoncer une marche pacifique 5 octobre Capvinla, dans l'occasion tout ouverture des tribunaux. Dans l'optique de la mobilisation, nous avons une marche le 5 octobre, immédiatement après la cérémonie d'ouverture des tribunaux. La marche aura lieu le 5 octobre. Le point de départ est la Cour de cassation, parce qu'en principe, c'est à la Cour de cassation que la cérémonie doit avoir lieu. Donc, après la cérémonie, nous partons et nous faisons le chemin en sens inverse. Nous sortons de la Cour de cassation pour arriver au cabinet de Maître Montferrier d'Orval. Parallèlement également, le Conseil a prévu d'apposer des pancartes, des banderoles, tout ce qui peut rappeler Montferrier d'Orval à la population haïtienne. Et ce, dans les 18 juridictions. Je dis 18 juridictions, ça veut dire Port-au-Prince et les 17 autres. Donc, nous demandons la collaboration des différentes organisations de la société civile dans cette lutte que nous menons pour avoir justice pour le bâtonnier Montferrier d'Orval. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, nous vous demandons aussi la presse, votre collaboration pour nous aider à avoir justice pour le bâtonnier Montferrier d'Orval. Maître Marie-Suzy Legault, c'est bâtonnier AI, l'ordre des avocats, n'importe au prince. Nous toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, plusieurs organisations politiques et personnalités dans l'opposition annoncé y a participé dans la mobilisation qui prévoit dans la capitale pour dénoncer le conseil électoral provisoire que le président Jovenel Moïse a mis sous pied et a réclamé tout démission chef l'État. Entendez déclaration leader politique ou bien militant politique, Patrick Célestin. Je dis à un moment arrivé pour chaque militant. Baïté yo obligation pour dire quel que soit ça qu'a fait jodi a dans la ria en termes de mobilisation populaire yo doit présent la donne parce que jodi a là nous gon ensemble de bagaille gen des sitting spontané qui pral fait
Par exemple, là nous prenons la Cour des comptes, là nous prenons la Cour de cassation. Je dis à la caprice voir toutes sortes de persécutions face avec pouvoir. Nous-mêmes en tant que militants politiques, nous avons dit Cour de cassation, nous avons dit Cour des comptes, nous sommes solidaires avec eux. Et ça fait nous juger nécessaire. Même gens avant hier, nous avons fait devant l'ambassade américaine pour nous dire, Madame Sisson Jodia, qui c'est maman créée électorale là. Pour nous dire, Madame Laline, qui c'est marine créée électorale là. Pour nous dire, Donald Trump, qui c'est papa créé là, mettez avec équipé imposteur Jovenel Moïse, qui c'est reste avec cap supporter créé là. Nous avons dit aujourd'hui, c'est là, c'est là. Nous avons dit, à bas ingérence dans les affaires politiques pays nous. Sous base ça, nous avons dit, tout militant, je dis à quel que soit classe, origine politique ou calendrier, ça qui parle là, de bataille qui parle là. Il n'y a pas calendrier de bataille petite de Saline. Il n'est pas pour famille Lavalas, il n'est pas pour secteur démocratique, il n'est pas pour OPL, il n'est pas pour fusion, il n'est pas pour combat. C'est calendrier électoral de bataille. Tout le monde dit qu'il croit dans le gourmet pour changer ça qui n'est pas bon dans le pays. Deuxièmement, pour l'autre groupe de monde pense qu'il marginalise aujourd'hui même avec. Je dis à côté d'un petit monsieur dans le quartier mobile, côté au service avec aujourd'hui là, je mettais des outils, des matériels dans mes pour servir avec pour faire capital politique. Je dis à nous même en tant que militants politiques dans le quartier mobile, n'a dit monsieur ça nous pas être mieux. Je dis à n'a goumé pour mieux aider pays nous. Je dis à au service avec ça qui dans mes hommes penser c'est pas racheter, yo pas vendre dans boutique ici. C'est un grand baron, secteur privé met avec politicien aujourd'hui là qui mettait dans mes cal prend ni côté al prend là et aujourd'hui à yo baïol pour faire capital politique. Servir à eux qui savent tirer nous. Mais nous disons, monsieur, 17 octobre, c'est soulèvement général du Valier. Son défilé pour Jovenel Moïse pendant les trois premiers mandats du patron le 17 octobre à le Pont Rouge. Mais nous-mêmes, militants politiques, nous disons cette fois-ci, dernière année mandat là, nous ne pouvons pas quitter à le souiller et drapeau, mais à le souiller monument Papa Nation. De ce fait, nous avons demandé collaboration tout petit monsieur, ça a été le petit à guitare. Pour yon pote kole, nan bataille sa pral fait jodi a, parce que Jovenel Moïse, li genye yon Asbed. Asbed qui devant nan, li pas fini plus loin que 7 février 2021. Mes amis, mettez kon veye kon, attention pa kapon, grand moun pa joué ou sous la voix de la meilleure, kon suivre rendez-vous, info, nous pa pran, nous pa bay. Promotion famille haïtienne célébrée hier lundi a, journée internationale contraception ak droit ak avortement. Dans l'occasion, yon journée causerie te organisé pour jeunes yo. Dans l'idée pour sensibiliser yo sur nécessité pour contrôler pouvoir fait petit yo. Gianni De Castro entendez. Jodi a fòm di que c'est journée de la dépénalisation de l'avortement, c'est journée de la pièce de la presse, mais c'est aussi journée mondiale de la contraception qui est célébrée chaque 26 septembre depuis 2007. Pour objectif ultime de pouvoir partager et véhiculer l'importance de la planification familiale de ce domaine dans le monde. Le 26 septembre offrit à tout gouvernement et tout citoyen du monde entier une occasion, un espace pour nous capables de réfléchir, pour nous capables de discuter afin, pour nous capables de construire un futur côté surtout naissance sont désirés, voulus et planifiés. Pourtant, 222 millions de femmes dans des pays en voie de développement kounyen pa gagner accès à moyen pour être capable de repousser ou de contrôler à faire grossesse. En raison de manque de formation, en raison des conditions socio-économiques précaires et aussi ou gagner des traditions culturelles et religieuses. Incapacité pour capable pour qui leur oublier gagner ti moun. Incapacité pour qu'on qui gens veulent faire ti moun li fait partie dans plusieurs conséquences de sa nouvelle injustice sociale. Un meilleur accès à la planification familiale te permet en 2012 que 54 millions de grossesses non désirées évitées. Si nous regardons à travers avortement qui fait dans des conditions médicales adéquates, si nous regardons le rapport UNFPA pour la période ça. Des données, tout, des chiffres que nous gagnons, permettre pour lier étroitement pauvreté, faible revenu d'instruction à une faible pratique de la contraception. Bon, ben, arrivé qu'on y a pour nous en province et pour une deuxième fois, direction départementale la santé publique dans le nord-est, recevoir un lot matériel qui sortit dans le niveau ministère santé publique et population, donc dans Port-au-Prince, d'après responsable matériel, ça a aidé pour sauver
en pile vie, yon reportage Jodley Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté. Vendredi 25 septembre 2020, direction départementale Santé publique Nord-Est recevoir yon lot matériel qui permet yon bay population en plus soin, selon directeur départemental Santé publique Nord-Est là, Dr. Pierre-Jean Denis, qui te prend la parole dans une séance formation qui t'a faite dans l'hôpital Fort Liberté pour techniciens, personnel qui pral utiliser matériel yo. Parmi matériel cela yo, gagne un concentrateur oxygène qui pral aider résoudre problème pas qu'à joindre oxygène dans l'hôpital Fort Liberté. Docteur Pierre-Jean Denis. Oxygène, parce que en plus de tout bonbon, yo voyez pour nous pendant Covid là, yo voyez près de 150 bonbons d'oxygène pour nous qui étaient dans Nord-Est qui pour nous plus gagne une usine d'oxygène qui vous produit oxygène dans notre tête. Donc ça veut dire que nous n'avons pas de problème. En plus de ça, eh bien, il y a plusieurs institutions qui reçoivent des concentrateurs d'oxygène. Nous gagnons dans différentes institutions. Nous avons 10, nous avons Fort Liberté 10, nous avons le Caracol, nous avons le Trou du Nord, nous avons différents côtés pour nous distribuer. Bon côté PAL, directrice l'hôpital Fort Liberté, Dr. Isnel Decom, pas de manquer par remercier ministère et UNOPS qui lui-même t'a financé le projet. Ça. Un mot de remerciement à la ministère, la direction départementale, la UNOPS et ensuite UDP, mais à tous les personnels qui sont là et pour participer dans la formation qui est très intéressante. Je vais rappeler nous toujours, protection matérielle, c'est sous responsabilité. Non. Si nous prenons formation, nous avons matériel, nous pas bien utiliser matériel, c'est comme si c'est lavé les mains sur la terre. Nous comptons sur nous tous pour matériel, ça nous fait beaucoup plus de temps que possible en dans l'hôpital Fort Liberté. Chaque grand monde qui gagne un mois à utiliser, oxymètre, pas quitter, tomber à terre, pas maltraiter, s'il vous plaît, concentrateur d'oxygène. Jodley Junior Saint-Ville, la voix de l'Amérique, Fort Liberté. Actualité haïtienne aux États-Unis, c'est définitivement actualité électorale là, parce que yeux yo braqué, attention yo braqué sous ville Cleveland dans l'État Ohio qui a accueilli Asroya à 9h tapant premier débat entre président de République novembre 2020. Jean-Robert Philippe dit nous deux candidats ont gagné opportunité pour changer dynamique course électorale là, donc en pile gros question pral débat Asroya. Jean-Robert, dis nous plus. Premier sous trois débats entre le président américain Donald Trump avec ancien vice-président Joe Biden a déroulé mardi 29 septembre dans Cleveland, Ohio. Débat a fait quelques jours après le journal américain de New York Times publié un article pour dire que l'idée américaine payait seulement $750 taxes en 2016 et en 2017. Un article l'idée américaine a rejeté. Totally fake news. No, actually I paid tax, but and you'll see that as soon as my tax returns. It's underwater. They've been underwater for a long time. The IRS does not treat me well. Totalement faux. Non. Actuellement, moi paye taxes et il pas prend temps pour nous voir preuve déclaration et pour moi faire. Il y a vérifié yo et gain longtemps depuis il a vérifié déclaration et pour moi faire. Service contribution qui est les IRS pas bien traité. Campagne candidat parti démocrate là Joe Biden immédiatement passé une publicité dans la télévision pour renforcer texte New York Times là. Publicité a dit, ti crasse l'argent taxe président payé, pas en rien comparé avec plusieurs milliers de dollars taxes travail américain yo tant qu'enseignant, infirmière avec sapeur-pompier payé. Nouvelle sous affaire taxe là capable mettre président sous position défense pendant débat. Mais expert dit président Trump gabilité pour traverser moment difficile pendant le débat et passer rival Léa en dérision. Débat a déroulé dans un moment, ancien vice-président Joe Biden trouvait la tête de sondage d'opinion yo avec 7 points devant président Donald Trump dans le niveau national. Si le sondage est vérifié, président Trump est capable de tourner le troisième président américain qui va gagner l'autre mandat 4 ans affilé pendant 40 dernières années. Coussa serré dans plusieurs États importants qui va basculer le résultat de l'élection dans un camp ou bien dans l'autre là. Il y a possibilité pour président Trump de perdre une autre fois encore vote populaire devant candidat parti démocrate là Joe Biden. Même gens ça s'est passé devant Hillary Clinton en 2016. Mais victoire dans le collège électoral là te permet président remporter l'élection. Pas de aucun signe qui montrait la remporter vote électoral là dans l'élection 2020. Il y a environ 100 millions de monde qui pourraient suivre le débat entre deux rivaux pendant 90 minutes qui a passé dans la télévision avec la radio. Il y a seulement 100 monde dans la salle.
Journaliste Fox News, Chris Wallace, modérateur débat, dit deux candidats ont gagné 15 minutes pour répondre à chaque question pendant 90 minutes. Sujet, c'est dossier personnel candidat, pandémie qui tue plus passer 200 000 monde aux États-Unis, nomination juge conservateur Amy Coney Barrett, dans le suprême, non, économie, pandémie affectée, intégrité élection, race avec violence dans la ville américaine. Candidat parti démocrate là, Joe Biden, concentré campagne l'IA, plus sous échec président Trump pour le freiner propagation pandémie mortelle là. Président Trump, au départ, défend façon administration l'IA, gérer pandémie, lui questionner légitimité vote par correspondance là. Sondage a montré qu'il y a plus démocrate qui paraît pour voter par la poste, comparé avec républicain, peut-être coronavirus là. Dans plusieurs États américains, la population a commencé à voter avant l'air pour éviter ligne 17 longueurs dans le jour élection. Président Trump, sans aucun preuve, dit vote par correspondance sans créer possibilité pour gagner magouille avec fraude. Et lui-même refusé pour un engagement pour le transmettre pouvoir pacifiquement s'il perdit devant le candidat parti démocrate, Joe Biden. Président Trump a cherché à gagner une majorité juge conservateur dans le Cour suprême, l'aile courue nommé juge. Coup d'appel Amy Coney Barrett pour remplacer le défunt juge Ruth Bader Ginsburg. Une majorité juge conservateur capable de protéger le droit pour le monde posséder des armes et puis mettre restrictions sur l'avortement légal. Dans le parti démocrate là, Joe Biden demande au Sénat républicain contrôlé pour tendre le résultat de l'élection 3 novembre avant pour y pencher sur le dossier pour combler vide qui gagne dans la Cour suprême. Le président Trump demande au sénateur pour voter choix l'IA avant l'élection 3 novembre. Candidat parti démocrate là, Joe Biden avait six supporters lieux pour dire que le suprême avec une majorité juge conservateur pour imposer restrictions sur le droit mesdames, mariage homosexuel, donc garçon à garçon, fille à fille, et puis renverser protection système de santé fédérale pour population. There's no mystery about what's happening here. President Trump is trying to throw out the affordable. Par exemple, le ministère n'a pas passé là. Président Trump a essayé de voir jeter loi sur la santé il y a 4 ans depuis la PCFL. Parti républicain a essayé d'éliminer le programme sur la santé depuis une dizaine d'années. The Trump campaign has failed in making this a choice election. They have not been able to. Larry Brown, professeur politique dans Georgetown University, déclaré campagne Trump n'a pas utilisé point ça comme un choix dans la campagne électorale l'IA. Il n'y a pas arrivé à faire question ça, jouer un rôle dans l'alentour candidat Biden et même présidentiel. Débat mardi 29 septembre.